au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au silo. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puretins. Tous les camarades sont en terre et là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Bonjour, monsieur Noël Janteur, vous êtes né ici de telle année à telle année? Oui, oui. Moi, je suis né ici, oui, en 1952. Oui. Le mois de mai 1952. Je suis né ici à Crane, à la ferme. Oui. Et comme mon grand-père, Mais mon grand-père, il est né dans l'ancien village. D'accord. Et la première génération qui est née dans le nouveau village, c'est mon père. Oui. Après, c'est moi. Bon, c'est toute une série de générations. Oui. Et vous étiez maire ici de telle année à telle année? Je suis. Vous êtes maire, l'ancien maire ici de telle année à telle année? Je suis maire de les années, je ne peux pas vous dire, mais j'ai été élu 30 ans, oui. 6 ans conseiller, après j'ai 25 ans de maire. D'accord. 25 ans de maire. Après, vous faites partie du conseil général? Après, j'ai fait j'étais conseiller général, et après, j'étais conseiller, j'étais président de la communauté de communes. D'accord. Du chemin des Lannes, communauté de communes du chemin des Lannes. Oui.
D'accord. Que j'ai fait d'ailleurs. Mais bon. Et je vous remercie pour le 16 avril pour les centenaires. Donc, ah, c'est gentil, c'est gentil. Voilà, merci c'est bien. C'est un moment un peu particulier pour tout le monde. D'accord. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Ouais. Mais je vais être honnête avec vous, avec tout le monde, c'est que pour moi, le 90e anniversaire, 99e anniversaire, donc celui de l'année dernière et celui de l'année prochaine, autant d'importance que celui de cette année. D'accord. Autant d'importance que celui de cette année. Merci Sauf bien. Sauf que cette année, on a à des autorités au niveau national, ils se sont souvenus qu'il y a 100 ans, il s'est passé quelque chose de particulier sur ce chemin-là. Mais ça fait 100 ans que beaucoup de gens l'ont oublié. Et là, d'un seul coup, 100 ans, on dit « Ah, mais il y a peut-être quelque chose qui s'est passé là-haut. » Plusieurs centaines de milliers de morts, c'est quand même quelque chose. D'accord. Voilà. Je merci beaucoup. À l'année prochaine. À l'année prochaine, j'espère. On y va les enfants parce qu'on oui, on a été... Vous avez froid. De Roland Dorgelès. Roland Dorgelès est un journaliste et écrivain français. Il est engagé volontaire en 1914. Il est nommé caporal et obtient la croix de guerre. De cette expérience, il en tire un roman qui le rend célèbre, Les Croix de Bois, en 1919. De son séjour sur le chemin des dames après la guerre, il tire le roman Le Réveil des Morts en 1923. 50 mois, on se l'est disputé, on s'y est égorgé, et le monde anxieux attendait de savoir si le petit sentier était enfin franchi. Ce n'était que cela. Ce chemin légendaire, on le passe d'une enjambée. Si l'on eût creusé de la Malmaison à Crane une fosse commune, il la faudrait deux fois plus large pour contenir tous les morts qu'il a coûtés. Ils sont là, 300 000, Allemands et Français. Leurs bataillons mélangés dans une suprême étreinte, on ne dénouera plus. 300 000, sur qui des mamans s'étaient penchées quand ils étaient petits. 300 000, dont des jeunes mains caressèrent le visage. 300 000, cela fait combien de larmes? Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Mais sans tambour et sans trompette, on s'en va là-bas en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir deviendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied
qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos pauvres remplaçants vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir, sur les grands boulevards, tous ces gros qui font la foire, si pour eux, la vie est rose, pour nous, c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués devraient bien monter en tranchée pour défendre leur bien, car nous, on n'a rien, nous autres, les pauvres puritains. Et les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ce qu'on le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, nous les truffions, on va se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez encore la guerre,